Bonjour, voici un autre exercice sur les variables aléatoires. Il est un peu difficile celui-là. C'est un jeu avec une urne dans laquelle on a disposé des boules vertes. Il y en a une qui porte le numéro 1, une qui porte le numéro 2 et la troisième le numéro 3, et puis deux boules rouges, une avec le numéro 4 et une avec le numéro 6 dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher une première boule, on va regarder sa couleur et son numéro, on va la remettre dans l'urne et on va piocher une deuxième boule et on va faire de même. Et après, on a une règle du jeu par rapport à ça. D'abord, si on pioche deux fois de suite des boules de même couleur, ben, on ne gagne rien du tout. En revanche, si on pioche des couleurs différentes, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un gain cette fois, mais le gain, il va être comptabilisé de la manière suivante. Par exemple, si le numéro de la boule verte, ça représente le chiffre des dizaines du gain. Et le numéro de la boule rouge, ça va être le chiffre des unités. Par exemple, si on prend la boule verte numéro 2, qu'on la remet, et qu'ensuite on prend la boule rouge numéro 4, et qu'on la remet, bon, ben, on a bien deux boules de couleurs différentes. La première est verte, la deuxième est rouge. La première, la verte, même d'ailleurs si on l'avait tirée en deuxième, ben, c'est le chiffre des dizaines, donc 20 euros. Et la deuxième, la rouge 4, donc c'est-à-dire 24 euros, voilà notre gain. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, ici, j'ai fait un arbre de probabilité. Bon, tout d'abord, ben, on a une chance sur 5 de tirer la boule verte numéro 1. Pareil pour la boule verte numéro 2, la boule verte numéro 3, la boule rouge numéro 4 et la boule rouge numéro 6. Ensuite, bon, on remet la boule qu'on a tirée et puis ben, on repioche. Hein, donc voilà ce qui se passe ici. Ben, par exemple, pour piocher deux fois la boule verte numéro 1, ben, on a une chance sur 5 et de nouveau une chance sur 5. Bon, ce qui fait un gain de 0 puisque on tire deux fois une boule verte. Mais on a une chance sur 25 de faire ce tirage. Voilà. En revanche, ici, si on tire d'abord la boule verte numéro 1 et qu'ensuite on tire la boule rouge numéro 4, eh bien, on gagne 14 euros. De même, ici, avec la boule verte numéro 1 et la boule rouge numéro 6, on gagne 16 euros. Et ça aussi, ça va arriver avec une chance sur 25. Bien. Bon, alors, on nous demande tout d'abord de faire ce fameux tableau avec les gains. Bon, bah, les gains, c'est pas compliqué. Hein, on va faire notre tableau. Donc, ici, on a le grand X et puis les probabilités associées. Bon, bah, déjà, on peut gagner 0. Effectivement, quand est-ce qu'on gagne 0? Bah, quand on tire donc deux fois une boule verte ou bien deux fois une boule rouge. Quand est-ce qu'on tire deux fois une boule verte? Ben, par exemple, ici, on va faire V1, 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 V2, V1, V3. En fait, ça va ici faire 3 fois 1 sur 25. Je vais le noter ici, 3 fois 1 sur 25. Après, on peut aussi tirer la boule 2, verte numéro 2 en premier. Et on peut encore de nouveau tirer une boule verte juste derrière. Ça va faire de nouveau 3 fois 1 sur 25. Et puis, pareil avec la V3. 3 fois 1 sur 25. Mais attention, avec la boule rouge numéro 4, derrière, je peux de nouveau tirer la boule rouge numéro 4, ça fera 1 cinquième fois 1 cinquième. Mais ça ne peut arriver que dans deux cas, hein, puisque j'ai R4, R4 ou bien R4, R6. Plus 2 fois 1 sur 25. Et de nouveau, plus 2 fois 1 sur 25, puisqu'il va nous arriver la même aventure avec R6. Bon, bah, des 1 25e, j'en ai 3 plus 3 plus 3, 9. 9 et 2, 11 et 2, 13, c'est-à-dire 13 sur 25. Donc, ne rien gagner, ça peut m'arriver dans 13 chances sur 25. Voilà. Ensuite, les gains possibles. Bah, comme sachant que mes gains, c'est. Par exemple, ici, avec la boule verte numéro 1, ce sera la dizaine, hein, 10. Et après, on peut avoir bah, 10, 14, ou bien 1, 4, ou bien 1, 6, c'est-à-dire 14 ou 16. Bon, alors, quand est-ce qu'on va gagner 14 euros? Bah, 14 euros, il n'y a que cette possibilité ici. Hein. Non, il n'y a pas que cette possibilité ici, parce qu'on peut aussi l'avoir ici avec R4. Regardez, R4, je peux effectivement tirer V1 et aussi V2, V3. Et aussi, bien sûr, R4 et R5. Ça. Ici, je vais avoir aussi un gain de 14 euros et ça va arriver dans combien de cas? Eh bien, dans une chance sur 25. D'accord? Donc, en fait, j'ai quoi pour gagner 14 euros? J'ai cette possibilité-là qui va arriver dans une chance sur 25. Et puis aussi,
La possibilité qui est ici, une chance sur 25, c'est-à-dire 2 sur 25. Bon, ensuite, je peux aussi gagner, bien sûr, 16 euros. Ben, 16 euros, ça va m'arriver dans quel cas? Eh bien, ici, une fois sur 25, mais aussi ici, avec 6 et V1, R6 et V1, eh ben, ça va me faire deux possibilités, c'est-à-dire 2 sur 25. Bon, ensuite, ben, pareil pour V2, hein, pour le chiffre des dizaines, donc c'est-à-dire 24 et 26 euros. 24 et 26 euros. Ben, je vais aussi avoir 2 sur 25. 2 sur 25. Et puis enfin, 34 et 36 euros. Ben, 34 et 36 euros. 34 et 36 euros. Ça va me pareil m'arriver dans 2 chances sur 25. Et 2 chances sur 25. Voilà, j'ai tout. Hein. D'ailleurs, on peut le vérifier facilement que j'ai tout. Regardez, quand j'additionne ici toutes les probabilités, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 plus 13, 25, 25 sur 25, ça fait bien 1. Donc voilà, j'ai ici ma probabilité, ma loi de probabilité pour la loi grand X, hein, qui est ici. Bien. Bon, bah évidemment, la question suivante, c'est de donner l'espérance. C'est-à-dire, bah, quelle est l'espérance de grand X? Bon, bah, l'espérance de grand X, hein, c'est comme d'habitude, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, et ainsi de suite. Bon, bah, j'y vais, je vais prendre ma calculatrice, c'est parti. Bon, bah, 0 fois 13 sur 25, ça va faire 0. Ensuite, je vais avoir 14 sur 25 fois 2. Alors, 14 fois 2 divisé par 25, ça c'est le premier, plus 16 en fait je vais même aller plus vite que ça hein. Je vais pouvoir mettre en facteur 2 sur 25, je l'écris, regardez, ça fait 14 fois 2 sur 25 plus 16 fois 2 sur 25 plus 36 fois 2 sur 25. Bon bah ce qui me fait mon espérance hein, je mets 2 en fait 2 sur 25 en facteur de 14, plus 16, plus 36. C'est parti. Alors 14, plus 16, plus 24, plus 26, plus 34, plus 36, multiplié par 2, divisé par 25, et je trouve 12. Donc, en gros, en moyenne à ce jeu, je gagne 12 euros. Bon, après, on change un peu et on me dit, d'accord, maintenant, on souhaiterait que le jeu soit équitable. Donc, ça, c'était le petit A. Le petit B, on veut que le jeu soit équitable. Ça veut dire on veut que l'espérance soit nulle. Et on nous dit, pour cela, comment doit-on, que doit-on faire payer au départ la partie? C'est-à-dire, on va demander aux gens de faire une mise de départ. Et donc, quelle valeur doit-on choisir pour cela? Bon, bah, en gros, on va l'appeler A, cette mise de départ. Hein. Bah, si je refais mon tableau, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici, bon, bah, toujours ma variable aléatoire grand X de mes gains, et puis les probabilités associées. Bon, alors, si je fais miser A au départ, bah, ça veut dire que au lieu de gagner 0, ici, j'aurais perdu ma mise. Donc, ça veut dire 0 moins A. Et ça, ça va arriver dans 13 chances sur 25. Ici, je vais avoir 14 moins A. Ici, je vais avoir 16 moins A. Jusqu'au bout. À la fin, je vais avoir 36 moins ma mise. OK. Et ça va toujours arriver dans les mêmes proportions. Bon, bah, cette fois, je vais calculer. Mon espérance. Bon, bah, ça va me faire donc moins A fois 13 sur 25. Et ensuite, bah, plus 2 sur 25. Je vais mettre en facteur pareil. Hein. Ça va me faire 14 moins A plus 16 moins A tatata, plus 36 moins A. Ok, je vais effacer ici à gauche. Pour pouvoir continuer.
Bon, ben, mon espérance, hein, donc ça fait moins 13 A sur 25. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, je vais avoir plus 2 sur 25 facteur de 14 plus 16 plus tatatata plus 36. Et de même, le moins A, que je vais avoir combien de fois? Bah, moins A, moins A, moins A, moins A, moins A, moins A, ça fait moins 6A, moins 6A, hein, que je vois ici, multiplié par 2 sur 25. Bon, bah, c'est parti. Et tout ça, comme je veux que le jeu soit équitable, doit être égal à 0. Donc je vais mettre les A à gauche, ils sont déjà à gauche, et je vais envoyer le reste à droite. Alors les A, j'en ai moins 13 sur 25, moins, alors 6 fois 2, ça fait moins 12 sur 25, A, qui doit être égal ben, à ça que j'envoie de l'autre côté, ça fait 2 sur 25 avec un signe moins devant, et ici j'ai 14 plus 16 plus 36. Voilà, bon, je vais faire un petit peu de calcul. 13 et 12, ça fait 25. Moins 25 sur 25, ça fait moins A. Est égal à quoi? Ben, moins 2 sur 25, facteur 2. Je prends ma calculatrice. 14 plus 16 plus 24 plus 26 plus 34 plus 36. Ça, ça fait 150. Bon. Les 6 moins s'en vont. Hein. Toc, il me reste A égale. Bah, 2 fois 150, c'est-à-dire 300 sur 25. Ce qui fait, bah, je fais, je ne suis pas sûr, mais 300 divisé par 25, je crois que ça va faire 12, justement. Donc, il faut que A soit égal à 12. Il faut que les gens misent 12 euros au départ pour que le jeu soit équitable. Que le jeu soit équitable. Bien, les questions suivantes. Donc maintenant, bah, on suppose que la mise est égale donc, à 12 euros. Calculer la probabilité de l'événement A, le joueur réalise un gain strictement positif. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. On va en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recopier notre tableau ici, mais cette fois en remplaçant A par 12. C'est parti. Je vais faire comme ça. Bon, ben c'est y va. Alors, donc j'ai grand X, c'est probabilité. Alors, tout d'abord, 0 moins 12, ça va me faire moins 12 euros. Ensuite, 14 moins 12, ça va me faire 2 euros. Toujours 2 sur 25. Ici aussi, 2 sur 25. 16 moins 12, ça fait 4 euros. Ensuite, j'avais 24 et 26, donc 24. Moins 12, ça fait 12. Et puis 26 moins 12, ça fait 14. Et ensuite 34 moins 12, ça fait 22. Et 36 moins 12, ça fait 24. Et tout ça, 2 sur 25. Voilà, maintenant je peux effacer le reste, j'en ai plus besoin. Alors, on y va. Donc, calculer la probabilité de l'événement A, le joueur réalise un gain strictement positif. Réalise un gain positif. Bon, bah, où est-ce qu'il gagne? Bah, il gagne ici, en gagnant 2 euros. Là, 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 là et là. Donc voilà les possibilités pour qu'il gagne.
Bon, bah, la probabilité qu'il ait un gain positif est de 1. Je peux le faire de deux manières, soit en additionnant toutes celles-là, ou bien soit en... Maintenant, on va faire ça, on va calculer, donc 2 sur 25, plus 2 sur 25, plus 2 sur 25, et ainsi de suite. D'ailleurs, ici, ce n'était pas 12 sur 25, si je ne m'abuse. C'était beaucoup... ça, je crois que c'était 13. C'était ici, c'était 13 sur 25. Pardon. Bon, ben, on y va. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 12 sur 25. Voilà. Le gars, il gagne de l'argent dans 12,25%. Tu as 12 chances sur 25. Petit B, je finis avec ça. Le joueur fait 5 parties de suite. Quelle est la probabilité qu'il gagne au moins une fois? Bon, bah, alors on y va. S'il fait 5 parties de suite, d'abord, il fait une première partie. Alors, soit il gagne, soit il perd. S'il gagne, c'est 12 chances sur 25. Et s'il perd, c'est 13 chances sur 25. OK? Donc, s'il gagne la première partie, eh bien, c'est ça. Quelle est la probabilité qu'il gagne au moins une fois? Ben, par exemple, ici, il peut gagner une première fois avec 12 sur 25. Et puis perdre la suite. Donc ça veut dire qu'il peut faire gagner, perdu, 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 perdu. Ça fait bien 5 parties et il a gagné au moins une fois. D'accord? Mais en fait, on va voir la chose autrement. Gagner au moins une fois, c'est quoi l'événement contraire? C'est perdre tout le temps. C'est ça que c'est d'accord? Alors, perdre tout le temps, bah, c'est quoi perdre tout le temps? La probabilité de perdre tout le temps, bah, c'est 13 sur 25. Fois 13 sur 25, fois 13 sur 25. Et la probabilité de perdre tout le temps, eh bien, de perdre tout le temps, tout le temps, plus la probabilité de ne pas perdre tout le temps, c'est-à-dire gagner au moins une fois, tout ça, ça vaut 1. Donc la probabilité que l'on cherche, en fait, c'est 1 moins 13 sur 25, fois 13 sur, moins 13 sur 25, le tout à la puissance 5. Donc c'est perdre. La probabilité de gagner au moins une fois, c'est égal à 1 moins 13 sur 25 à la puissance 5. Je vais quand même mettre le résultat. Je vais le réécrire ici parce que là, c'est vraiment mal écrit. Donc, la probabilité de gagner au moins une fois, c'est égal à 1 moins 13 sur 25 à la puissance 5. Alors, on y va. Ça fait donc 1 moins 13 divisé par 25 à la puissance 5, je trouve 0,96 2. Voilà, donc en fait en jouant 5 fois, on a quand même la possibilité de gagner au moins une fois dans 96% des cas. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie.